Hey, what's up? J'espère que tu vas bien et que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Ok, aujourd'hui, un programme abdos. D'accord? Tu connais. Programme abdos, on va travailler le haut des abdos. Plus précisément, les quatre abdos du haut. D'accord? Les abdos les plus faciles à voir. Il faut quand même les bosser, c'est important. Et pour ça, on va se faire deux exercices abdos et un exercice lombaire. Donc, prends ta bouteille d'eau, très important. Prends ta feuille. Pour noter tes séries, du moins comme je suis là, t'es pas obligé de noter, mais moi je la prends quand même. En même temps, ça fait du bien de voir tous ces traits pour dire que t'avances dans le temps. Et prends ta petite serviette. Bon, moi la mienne elle est froissée, elle sert à rien, mais prends-la quand même et on commence. Ok, premier exercice, on va se faire des crunchs basiques, tranquillement. On va se faire combien? On va se faire 4 fois 15 répétitions avec 30 secondes de récup. Ok, c'est parti. Hop. On se met en position. Main sur la tête. Et non, main derrière la tête qui vont soutenir la tête. Main là, là. Tu vois, à côté des oreilles. Et on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze et quinze. Oh. Chrono, c'est parti. 30 secondes. Et je mets mon petit trait tranquillement. Voilà. Oh. Oh. J'aime bien les programmes abdos, c'est détente, ça va vite. Ça fait moins mal que le reste. Ça va. Ça va, ça va. Parce que pour l'instant, c'est les programmes abdos génériques. Mais quand on va arriver avec les poids, ça va faire mal. Ok, on repart. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Ok. Oh. C'est bon. Le petit trait. Par contre, je tiens à préciser, hein. Les abdos, c'est bien, mais il y a la diète qui compte aussi, d'accord? Si tu fais pas de diète, bah t'es mort en fait. C'est fini, c'est complémentaire, d'accord? Abdos et diète. Mais si tu fais une diète et t'as pas d'abdos, bah ça sera pas beau non plus. Donc faut les bosser. Ok, c'est bon, on repart pour la troisième, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. 8, 9, allez, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh, putain. Eh, je te jure, compter en faisant tes abdos, c'est incroyable. Vraiment. Oh, il en reste une. Et on passe à l'exercice 2. Comme j'ai dit, hein, les abdos, pas besoin d'en faire 3000, pas besoin d'en faire 8000. Un simple programme générique où t'en fais 15, 4 x 15, tranquillement, ça sera efficace. En plus, c'est rapide, tu vois. C'est rapide, simple, efficace. Une simple routine comme ça peut te faire évoluer sur le long terme. Et la muscu, c'est le long terme. On repart. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. 15, ok. Oh. Je vais montrer tranquillement. Bon. On prend une, deux ou trois minutes de repos et on passe à l'exercice 2. Deuxième exercice, on repart sur des crunchs standard, mais cette fois-ci, hop, les jambes, elles sont surélevées, les bras comme ça et on ramène, ok? Et on en fait 15. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh. Chrono effacé, lancé,
Dommage que j'ai pas un trait qui se met automatiquement. Et je vous assure, si ces programmes marchent, mais vraiment, j'ai investi dans un truc qui met des traits automatiquement à chaque fin de séance. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais investir dedans. Je sais pas, un truc qui il me valide ma série sans que je sois obligé de noter. 30, on repart. Allez, hop. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Oh. Alors, pour les abdos, très important. Si t'as mal au cou, c'est que tu soulèves trop ton cou. D'accord? C'est les abdos qui travaillent. C'est pas ton cou. Hop, deux. Ok, il en reste deux. Ah, 20. Ah, par contre, tout à l'heure, je disais les abdos, c'est bien, c'est détente, mais là, j'arrive pas à parler. J'arrive pas à parler. 30, on repart. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, hop, 12, ok, 13, 14, 15. Tu sais, je balance des petits regards sur le retour caméra parce que je me dis, imagine, je travaille et la caméra elle est éteinte. Alors là, je peux jurer que là, je vais manger des crêpes. Et ce sera la fin des programmes abdos, hein. Je mets un post dans l'espace communauté YouTube. Je vais dire, bon, les mecs, désolé, mais la caméra a eu raison de moi. Mais là, ça va. Là, on est bien, là. On est déjà à 20. De toute façon, c'est la dernière. Allez, 27, 28, 29. On repart pour la dernière. On fait les choses bien. C'est parti. 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. J'ai mal aux abdos. C'est-à-dire que j'ai bossé, c'est bien. Je mets mon petit trait tranquillement. Hop, je me redresse. Bon, on prend une, deux ou trois minutes de repos. On boit sa petite gorgée d'eau. Et on passe au dernier exercice. Dernier exercice, bon, tu me connais, hein. Lombaire, 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 lombaire. Très important. Moi, je veux que tu progresses. Et je veux limiter le risque de blessure pour plus tard et préserver notre dos, nos lombaires. Très important. Donc, on va repartir dans notre exercice Superman tranquillement. On écarte un peu les jambes et les bras. Cet exercice-là, ok? On va le faire 4 fois 10 reps. 30 secondes de repos. C'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouh. Je mets mon chrono, bam, mon petit trait. Je monte mon micro parce que mon micro il tapait le sol, donc je sais pas si ça s'en entendait. Hop, désolé pour le bruit, ça a eu du bruit. Et ouais, là c'est mieux. Oh. 15. Allez. Oh. Je te jure, je peux rien dire en connerie là. Je suis KO. Allez. 30, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Oh. Oh. Allez. C'est rien, ça. C'est ça, hein. Dans la muscu, il y a ce moment où tu souffres longtemps, longtemps pour atteindre ton objectif. Et ça, tu vois, si tu fais pas de diète, bah, c'est mort. Je dirais pas que ça sert à rien parce que les abdos, ils seront bien tracés, bien dessinés, mais la couche de graisse à fondre, tu vois. Oh. Allez, une,
2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, 10. Oh. Hop, troisième trait, il manque une dernière. Et la couche de graisse, si tu la fais pas fondre avec la diète, c'est mort. Moi, je fais des exercices en mode dynamique afin que tu puisses dépenser l'énergie et t'aider à fondre un peu plus vite, tu vois. Parce qu'il y a des exos abdos où tu fais ton exercice, tu maintiens une seconde et tu continues. J'ai fait un programme comme ça plus tard. Mais dynamique, c'est bien. Ça te fait bien fondre pour moi. Ok, dernière. Une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Oh. Oh. Je suis mort. Oh, je suis mort, ok. C'est bon. C'est fait. Bon. Là, tu prends une, deux ou trois minutes de repos et soit tu passes à l'exercice abdo-gainage qui est le meilleur exercice de fin ou bien alors tu peux te rincer. C'est comme tu veux, d'accord? C'est comme tu le sens. Moi, ça va, je me sens bien pour faire le mot de la fin. Maintenant, je vais me redresser un peu. Oh, je tiens quand même à te remercier pour tous les commentaires, tous les j'aime parce que ouais, là, depuis que tu fais des programmes, voilà, ça commence à bien marcher. Plus de j'aime, plus de commentaires et tout. Merci beaucoup. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait. D'accord? C'est important. Histoire qu'on puisse aller un peu plus loin et proposer du contenu de qualité encore mieux. Histoire d'aller plus loin. Parce que comme je dis, mon objectif, c'est d'avoir une vraie salle BJ, de faire du sale. D'accord? Faire les choses bien et entièrement gratuit. Parce que voilà, payer pour me voir faire ça, flemme. J'ai pas envie, je préfère donner du gratuit. Bon, moi, je te dis, fais les choses bien, d'accord? Et à la prochaine pour la suite.